Hello tout le monde, c'est Ron, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, un tuto que je vous avais promis depuis un certain moment. Je vous avais montré un de mes serveurs sur ma vidéo setup. Je vous ai dit que j'allais vous faire un tuto pour les intéresser. Bon, je vais faire le tuto quand même si j'ai pas eu trop de retours. Donc un serveur de déploiement de système d'exploitation qui est Fog sous Linux. Qu'est-ce que c'est un serveur de déploiement de système d'exploitation, pardon. C'est tout simplement donc un serveur autonome. Vous pouvez autant le faire en serveur physique qu'en serveur virtuel, hein. Ça marche dans les deux cas, mais même si je vous préconise de le faire sur un serveur physique, puisque c'est un tuto que j'ai fait en formation pour ceux qui c'est un peu le déroulement de mon année dernière. Je l'ai fait en formation, j'ai pu le tester en physique et en virtuel et on a eu quelques problèmes au niveau des envois d'images en virtuel. Je sais pas si c'était à cause du logiciel de virtualisation ou tout simplement l'image en elle-même. On a eu quelques soucis et ce qui est marrant, c'est que ça marche nickel sur un serveur physique. Donc, pour en revenir à qu'est-ce que un système de déploiement de système d'exploitation, c'est tout simplement faire du clonage de disques durs, faire des images système, les récupérer dans un serveur et les réuploader lorsque vous en avez besoin pour retrouver à l'état où vous avez créé votre image système. Retrouver à l'état où il était quoi. Donc pour vraiment vous donner un exemple, imaginez première installation, vous installez Windows 7, vous installez les drivers, vos logiciels, vos périphériques et tout ça. Généralement ça vous prend une après-midi suivant le nombre de logiciels, de périphériques et tout ce que vous avez. Même les mises à jour Windows, hein, je parle vraiment tout en complet comme vous le souhaitez l'avoir. Et vous vous dites: tiens, putain, ça prend longtemps à tout réinstaller, tout ça. Est-ce qu'il existe une solution pour pas s'emmerder et gagner beaucoup plus de temps? Eh ben, avec ce type de serveur, vous pouvez le faire. À savoir aussi que c'est un serveur sous Linux, comme j'ai dit, mais il existe aussi son comparatif, qui est un serveur sous Windows, qui est en WDI ou un truc comme ça. J'ai jamais fait sous Windows, mais en tout cas, ça existe, hein. Il y a un de mes potes de formation qui a pu le faire ou qui l'a vu, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça existe sous Windows. Donc, vraiment pour vous expliquer à quoi ça sert. Donc après avoir réinstallé tous vos drivers, tous vos pilotes, tous vos logiciels, vous faites une image système. Enfin, vous vous connectez via le PXE, donc le réseau. De toute façon, j'expliquerai en temps voulu, hein. Vous vous connectez sur le serveur, vous enregistrez votre PC et lui, il va se charger via une tâche, hein, ça va vous lancer la tâche, ou l'administrateur de votre réseau, ou ce que vous voulez, puisque ça marche autant pour le domicile et autant pour les entreprises, mais je pense que les entreprises doivent déjà le connaître ou utilisent son copain sur Windows, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc lui, il va se charger de cloner votre disque dur de votre PC sans pour autant le détériorer ou quoi, hein. Il touche pas, il copie juste les fichiers. Il fout ça dans une image système, hein, comme vous pouvez connaître les images ISO, mais c'est version Linux, hein. Je crois que c'est le même que les Mac, c'est DXG ou quelque chose comme ça. Ce sera à vérifier, mais de toute façon, je vous montrerai l'exemple. Donc, il va se charger de faire une image système de votre disque dur, donc au complet, à savoir que il prend l'espace utilisé et non le disque dur, enfin la taille totale du disque dur, donc il prendra que ce qui a été utilisé. Donc par exemple, s'il y a 100 gigas sur 200, bah, il copiera que les 100 gigas. Donc à prévoir également un disque dur assez gros en fonction du nombre de PC que vous faites, enfin que vous faites en image sur le serveur. Donc il faut quand même, même si le serveur, après avoir téléchargé toutes vos données, il compresse le tout dans une image ISO. On va dire que suivant la taille de base de votre disque dur, l'espace utilisé, ça peut prendre quand même pas mal de place sur le serveur. Donc essayez d'avoir quand même un gros disque dur. Là, j'ai un disque dur de 500 Go, je pense que ça suffira. J'espère, même si mon disque dur n'est pas énorme. Hein. Donc voilà. Donc lui, il va se charger donc de récupérer toutes vos données de votre disque dur et les foutre dans une image système. Et quand, par exemple, au grand malheur, vous tapez un blue screen ou votre PC RAM, tout, vous avez envie de réinstaller, enfin reformater votre disque dur,
Mais vous avez dit, ah mais tiens c'est vrai, j'ai un serveur, j'ai besoin de réinstaller Windows, des drivers, les mises à jour et tout ça. J'ai un serveur qui a une image système de mon disque dur quand il était fonctionnel, qui marchait nickel juste après la réinstallation de tout. Alors là, juste là, pareil, vous vous connectez, pas cette fois sur le PXE, mais sur l'interface de gestion. De toute façon, l'interface de gestion, vous l'avez dedans aussi, de toute façon, j'expliquerai aussi. Vous connectez sur l'interface de gestion et vous retéléchargez votre image système sur votre PC et vous retrouvez votre PC comme il était au moment où vous avez créé le clonage de votre disque dur. Donc vous récupérez intégralement tout ce que vous aviez. Votre PC tourne nickel, il ne rame plus, vous n'avez plus de blue screen ou quoi. Et ça prend genre 10 minutes au lieu de passer une après-midi à tout réinstaller. Voilà, c'est un peu l'histoire de ce serveur. Hein. Après, on va dire que ça a forcément, pas forcément un coût, puisque Linux est gratuit, Ubuntu est gratuit, vous pouvez le gérer gratuitement. Mais plutôt avoir un second PC. Pas forcément le PC le plus puissant qui existe au monde. Hein. Je veux dire, une petite... pas non plus une vieille brouette avec 50 MO de RAM et tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais au moins un PC qui tient la route. Là ici j'ai récupéré mon... enfin j'utilise mon ancien PC. Pour ceux qui savent, j'ai changé de PC. D'ailleurs faudra que je refais une vidéo hors sujet sur mon nouveau PC. Donc j'utilise mon ancien PC qui est un i5 3 GHz, 4 Go de RAM avec un disque dur 500 Go. Bon, qui est largement suffisant pour ce type de serveur, surtout qui tourne sur Linux, qui ne demande pas beaucoup de ressources. C'est plutôt le serveur en lui-même qui va utiliser des ressources et pas la base, pas le système d'exploitation. Mais au moins, on va dire, il vous faut un PC qui tient la route. Après, suivant l'utilisation de votre serveur, je veux dire, si vous avez un autre serveur Linux, il existe les petits Raspberry qui fait forcément très bien tourner tout ce qui est, mettons, du multimédia et tout ça. Mais bon, là, on va dire que c'est quelque chose qui demande beaucoup de ressources quand il travaille. Mais quand il repose, il prend quasi rien. Donc si vous avez genre un PC qui a 1 Go ou 2 Go de RAM, ça suffit. Avec un simple cœur, je veux dire, qui tourne bien à 4 GHz, ou un dual core à 3 GHz, ou des trucs comme ça, ça tourne nickel, hein, ne vous inquiétez pas. Le seul truc, c'est vraiment d'avoir un assez gros disque dur. Tout dépendra donc du nombre de d'images système que vous voulez foutre dans le serveur. Tout dépendra de ça, vraiment. Après, le serveur offre beaucoup de fonctionnalités. Type Apache, PHP, MySQL, serveur FTP, serveur SSH. Donc en gros, vous pouvez autant l'utiliser pour le serveur et autant l'utiliser en tant que, mettons, serveur web à côté, serveur FTP pour le web et tout ça. Vous pouvez, même si les fonctionnalités sont dédiées à Fog, vous pouvez les utiliser à côté pour d'autres tâches personnelles, on va dire. Et puis voilà, donc, pour en revenir à qu'est-ce qui est Fog, donc c'est un serveur de déploiement des systèmes d'exploitation qui récupère donc vos disques durs, autant pour les entreprises et les domiciles, qui récupère en image système votre disque dur et qui permet plus tard ou par la suite de l'envoyer sur un ou plusieurs autres PC de votre réseau local facilement, rapidement et très rapidement, même par le réseau. Donc même si vous avez un réseau 100 mégabits, c'est assez rapide. J'y reviendrai plus tard parce que il y a aussi les réseaux 1 gigabit qui est beaucoup plus rapide. Je vais essayer de vous montrer sur un réseau 1 gigabit pendant l'utilisation. Mais bon, voilà, donc vous pouvez renvoyer votre image système personnelle sur plusieurs ordinateurs pour qu'ils ont par exemple les mêmes logiciels installés, les mêmes drivers et tout ça. Après, tout dépendra également des périphériques qui seront installés sur le PC là. Forcément, si vous avez des drivers pour tel périphérique et vous avez un différent sur un autre, forcément les drivers ne vont pas être compatibles. Sur le coup là, faudra les télécharger quand même sur le PC adéquat. Mais bon, voilà, donc c'est pour. On va dire la fonction principale, c'est de récupérer l'image, enfin les données d'un disque dur, les foutre dans une image système et de pouvoir les recoder soit plus tard pour une réinstallation, soit tout de suite vers d'autres PC pour réinstaller plus rapidement plusieurs PC. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ici, là je suis sur le boot menu de mon PC, je vais lancer, j'ai l'ISO de Ubuntu et je l'ai foutu sur une clé USB bootable. Si vous avez besoin d'aide sur ce type de pratique, sachant que
Vous téléchargez l'ISO, vous pouvez le foutre sur un CD, hein, le graver en tant qu'ISO sur un CD, ça marche nickel. Mais on va dire que... C'est pas parce que j'ai pas de CD, mais on va dire que l'USB, ça va beaucoup plus vite. Autant à faire que à utiliser. Donc j'ai utilisé un logiciel pour faire des clés USB bootables qui s'appelle Linux Live USB Creator, quelque chose comme ça. De toute façon, à la limite, je mettrai tous les liens dans la description des logiciels utiles par vidéo. Au moins, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, ici, nous, on est en France, on installe le français. Je pense pas que j'ai besoin de d'expliquer à quoi correspond chaque truc. Hein. De toute façon, nous, il n'y a que le premier qui nous intéresse. Hop. Voilà, donc on habite en France. Donc là je vais essayer de couper ça en trois vidéos. Qui est la première, donc l'installation d'Ubuntu avec les mises à jour et la configuration de la carte réseau. On va dire pour qu'il soit au moins fonctionnel. La deuxième vidéo qui sera l'installation de Fog et la configuration de Fog. La troisième vidéo, c'est l'utilisation et la mise en œuvre de ce dit serveur. Donc, alors pour cette première vidéo, on va installer Ubuntu. L'agencement du clavier, on se bat les steaks. J'ai pas le temps d'appuyer sur toutes les touches. C'est juste pour ça, c'est pour voir si toutes les touches de votre clavier fonctionnent. Donc, limite, vous aurez rien pété quoi. Et donc là, on habite en France. Toujours, je veux des langues françaises hein, quand même. Donc, à savoir, c'est que toute l'installation va se passer en. Enfin, va être en français. Tout va être écrit en français, vous ne pourrez pas vous tromper. Sauf que, après l'installation, quand vous allez arriver sur la console du serveur, tout sera forcément en anglais. Sachant que toutes les commandes, de toute façon, Linux, quasi à 99,9% sont toutes en anglais. Il y en a peut-être en français, mais je ne dois pas les connaître. Tout est en anglais. A savoir aussi, je ne l'ai pas dit, c'est qu'il faut, de toute façon, Ubuntu Server. Je vous mettrai le lien pour télécharger l'ISO. Pour pas vous tromper, il faut impérativement Ubuntu Server. Vous pouvez télécharger Ubuntu Desktop, mais vous allez voir le bureau. Et celui-ci pompe pas mal de RAM en plus que le serveur. Et bien entendu, vous pouvez désinstaller le bureau, mais bon, c'est du temps perdu. Autant télécharger directement le serveur. Après, libre à vous. Si vous avez une grosse machine, libre à vous de télécharger le serveur ou le desktop. Mais je vous préconise de télécharger le desktop. Desktop, je vais réussir. Alors, nom de la machine, je vais faire ça vraiment au plus simple pour pas vous tromper. Parce que sérieusement, à la première utilisation, si vous connaissez pas du tout Ubuntu, voire Linux, hein, le système, autant rester au plus simple, au moins pour vous faire un exemple. Moi, je vais vous montrer en tant qu'exemple. Vous pouvez le refaire en tant qu'exemple ou vous faire directement vos logins, vos mots de passe personnels, vraiment pour pas que personne ne le sache. Mais je vais vous montrer ça en tant qu'exemple pour faciliter vraiment l'installation et la compréhension de l'installation. Mais après, libre à vous de faire comme vous voulez. Donc le nom de la machine, généralement, je nomme mes machines par rapport à ce qu'ils font, leur fonctionnalité. Donc là, ici, c'est Fog. Le serveur s'appelle... Enfin, ce que je vais installer plus tard, c'est Fog. Donc je vais l'appeler Fog. Alors, nom complet du nom utilisateur. Donc là, j'appelle Fog. Identifiant Fog. Et le mot de passe, je vais hop mettre Fog. Voilà, au moins je vais pas me tromper, je sais que tout est Fog. Alors utiliser ce mot de passe faible, oui. Détecte quand même que c'est un mot de passe faible, donc chiffré non, on s'en fout. Donc oui, on est en Europe Paris, oui c'est ça. Donc là c'est pour vraiment détecter les fuseaux horaires. Donc il détecte bien qu'on est en Europe et on est sur le fuseau horaire de Paris. Donc démonter les partitions en cours d'installation. Ah ouais, par contre là j'avais déjà une installation. Oui. Et je vais utiliser un disque entier. Voilà. Hop, comme ça il me formate mon disque dur, il me réinstalle tout. Et appliquer les changements sur ce disque. Oui. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, je parlais de entre Ubuntu Desktop et serveur. Donc serveur, vous aurez tout en ligne de commande. Donc là, on va dire que niveau graphisme, il y a mieux. Il y a un fond noir écrit blanc sur fond noir. Et la version desktop, donc en fait c'est la version bureau de Ubuntu. Vous aurez un bureau avec des icônes et tout ça, comme si vous étiez sur Windows, quoi. Même si Windows existe aussi en ligne de commande, vous allez vous lancer CMD, vous avez les lignes de commande. Mais, donc, si vous n'avez pas un PC super puissant pour le serveur, je vous préconise à 100% vraiment le Ubuntu serveur. De toute façon, je mettrai le lien du site, là, vous pouvez le télécharger en français. Hein. Et le lien direct de l'ISO, s'il y a possibilité...
pour télécharger Ubuntu Server pour vraiment pas vous tromper. Je vous mettrai le lien vers le 32 bits et le 64 bits suivant le la différence de bus de votre PC. Donc moi ici c'est un 64 bits, donc je mets un système 64 bits pour qu'il prenne les 4 Go. Enfin, je sais même pas si sur Linux ça marche du même système que Windows avec les gigas de RAM. Bon, c'est pas grave, moi c'est à 64 bits, j'ai installé à 64 bits. Je vous mettrai les deux liens, le 32 bits et 64 bits pour pas vous tromper. Et le mandataire, on en a répété. À savoir, pour ceux qui connaissent pas Linux, tab, c'est pour changer de. Bah, de toute façon, comme sur Windows, quoi, changer de. Je sais même pas comment expliquer ça, de lien, de. Enfin, de switch entre liens, vous voyez, retour. De retour en arrière, le mandataire est continué. Donc là, ici, on n'a pas besoin de mandataire. Ça, c'est pour voir s'il y a un truc externe, mais on s'en bat, on n'a pas besoin. Et donc, je reviens. Tab, c'est pour switcher entre les trucs. Et espace, c'est pour activer ou désactiver une ligne. Je vous montrerai après. De toute façon, on doit, en prérequis, on doit installer des fonctionnalités. Je vous le montrerai après. Donc, j'y reviens. Donc, la Ubuntu Desktop, c'est la version bureau de Ubuntu. Le seul problème, c'est qu'il faut quand même un PC puissant pour tout bien faire tourner. Sinon, vous allez ressentir des petits coups de RAM. Et on va dire que le desktop est plutôt inutile si vous voulez faire un serveur. C'est de la ressource utilisée pour rien. Puisque dès que votre serveur est fonctionnel, généralement, vous retournerez pas physiquement, même sur le bureau, même sur la configuration de votre serveur. Généralement, quand il tourne, vous y touchez plus, au moins vous savez qu'il tourne bien. Et donc, avoir un bureau pour un serveur, je trouve ça un peu con et inutile, quoi. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez avec les fonctionnalités et ce que vous voulez en faire plus tard, hein, mais bon, moi je trouve ça un peu con. Mais après, c'est votre choix. Donc, ouais, de toute façon, tous les liens sont dans la description pour tous les logiciels que j'ai utilisés, tous les ISO, tout. Je ferai également aussi un topic sur mon forum. Je créerai une nouvelle section tuto. Je mettrai un topic sur mon forum avec le tuto en écrit, avec des screens. Pourquoi pas? Si j'y arrive, je sais pas. Je verrai si je mets des screens. Je pense que ce sera plus compréhensible en mettant des screens. Et puis voilà. Donc je mettrai un tuto à l'écrit sur mon forum, donc mrontv.fr/forum ou forum.mrontv.fr. Libre à vous de choisir le lien que vous voulez, ou bien vous allez sur mrontv.fr, il y aura le lien vers le forum dans le menu. Au moins, vous pourrez pas vous tromper. Je créerai donc un tuto là-dessus, en libre accès au moins à la lecture. Je verrai. Et puis voilà, donc là on va pas faire les mises à jour tout de suite. Je vous montrerai manuellement comment on fait, enfin comment on met à jour Ubuntu. Ça sera beaucoup plus clair pour vous. Donc ici, là, les prérequis que je vous disais tout à l'heure pour après l'installation de Fog. Chut. Je connais pas. On vient m'emmerder. Donc les prérequis pour l'installation de Fog, c'est au moins l'OpenSSH, donc le serveur SSH qui vous permettra d'accéder à distance à votre serveur. Et le LAMP serveur qui contient donc tout ce qui est... comment dire, Apache, PHP, MySQL, FTP, tout ça, tout ce qui servira pour la version graphique de Fog. Voilà, donc là vous avez juste à continuer et l'installation se lance. Donc je sais pas du tout si je vais couper le nom de la, enfin le temps de l'installation. Donc là ici il demande un mot de passe pour MySQL, je vais mettre Fog comme d'habitude. Hop, hop, voilà. Comme ça, je vais pas me tromper. Vous pouvez, bien entendu, vous pourrez changer tous les mots de passe plus tard. Hein, y a pas de souci sur ce coup-là. Vous pourrez les changer plus tard, au moins. Même si vous avez fait le même exemple que moi, il y aura pas de souci. Vous pouvez mettre vos mots de passe personnels. Alors. Où est-ce qu'on en est? Donc là, donc j'ai dit de pas télécharger les mises à jour, logiquement il va pas les télécharger. Je l'ai dit logiquement. L'installation est, on va dire pas rapide, mais plutôt longue, hein, suivant après pareil votre PC que vous avez. Là je suis sur un USB 2, donc c'est pas non plus tip top. Et c'est encore du SATA 2 qui n'est pas non plus tip top. Donc
tout changera en fonction de votre configuration de PC, mais bon, logiquement ça devrait aller assez vite si vous ne téléchargez pas les mises à jour automatiquement. On va dire manuellement, je vais faire ça à la fin pour vraiment vous montrer les commandes, mais je vous montrerai pas toutes les mises à jour puisque j'ai pas non plus un débit super tip top. En fait, j'ai rien de tip top avec ce serveur. J'ai pas non plus un gros débit, donc je vais finir avec les mises à jour, la commande et les mises à jour. Comme ça, vous allez voir quoi mettre. Enfin, vous allez savoir plutôt quoi mettre, et en fonction de votre débit aussi, ce sera plus ou moins long, hein, puisqu'il y a pas mal de mises à jour à télécharger. Mais bon, on n'y peut rien, hein. Généralement, un système bien à jour, c'est un système qui ne plante pas, donc autant le mettre à jour avant l'installation de serveur. Voilà, voilà. Donc ici, on va laisser finir de s'installer. En plus on me parle en même temps, enfin vous voyez pas parce que oui, parce que à savoir j'ai galéré à trouver une solution pour enregistrer mon tuto, sachant que je voulais pas le faire en virtuel comme j'ai expliqué au début. Le virtuel c'est pas tip top, on a eu quelques problèmes avec des envois d'images et récupération d'images ou installation des fichiers sur un disque dur. Donc j'ai préféré faire ça sur une machine physique et récupérer donc le flux vidéo quelque part. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de récupérer le flux vidéo vu que c'est de l'HDMI, hein, mon PC là. Récupérer le flux vidéo avec ma carte d'acquisition que j'utilise habituellement pour mes Xbox. Donc je récupère ça avec ma carte d'acquisition. Et vous allez voir un banderau noir tout autour. On va dire que c'est pas que j'ai pas voulu le faire en HD, hein. C'est juste que en résolution maximum j'ai mis 1080p et l'installation se fait en 720p je crois. Après c'est pas un choix personnel, hein. C'est juste que j'ai carrément zappé. Donc tant que j'ai pas con. De toute façon après ça se verra même plus quoi, vu que ça sera en ligne de commande. Logiquement vous ça vous fera pas ça, ça détecte automatiquement la résolution de votre écran et ça le met en fonction quoi. C'est que moi là en fait je passe par un switch HD et que ça récupère sur ma carte d'acquisition, donc là il y a un bandeau noir autour, mais on s'en fout, hein. Le mieux c'est pas d'en avoir, mais bon là j'ai pas calculé le coup. De toute façon ce qui nous intéresse c'est vraiment l'installation, vous voyez clairement ce qu'il est en train de faire et ce que je fais, c'est le principal comme on dit. Hop. Donc juste après l'installation on va vérifier qu'on a bien internet, enfin qu'internet aille bien sur le serveur. Donc généralement il se met, si vous avez un serveur DHCP dans votre box, généralement il est activé, hein, de base, sauf si vraiment vous l'avez désactivé. Généralement vous avez un serveur DHCP activé dans votre box et le serveur détecte automatiquement le serveur DHCP et vient récupérer une adresse IP et normalement il n'y a pas de souci à la base. Mais par souci de sécurité, généralement un serveur on ne l'est jamais en DHCP, on le met toujours en une adresse IP fixe, même si dans un bail DHCP il se peut que vous ne changiez jamais d'adresse IP, ça se peut, hein, c'est même fort probable. Mais on va dire par souci de sécurité, autant laisser sur un une adresse IP fixe, puisque si plus tard vous voulez sortir votre serveur sur internet avec les ouvertures de port et tout ça, et que malheureusement sur un renouvellement de bail d'HTTP qui entre guillemets ne devrait pas arriver, vous changez d'adresse IP, et ben tout simplement vous allez vous dire bah, pourquoi ça sort pas et tout ça, bah tout simplement vous allez changer d'adresse IP et tous les ouvertures de port que vous avez fait bah, ne fonctionnent plus forcément. Donc tout est à changer, bah, au moins les ouvertures de port. Donc c'est pour ça que je vous conseille plutôt de faire un serveur sur une adresse IP statique, autant sécurité. Après pareil pour vos mots de passe, il faudra les changer, mais bon après moi c'est que mon avis, hein. C'est bizarrement les mecs de formation avaient le même avec moi, donc voilà, moi je vous fais passer le message, après vous faites ce que vous voulez, c'est votre serveur. Tout dépend donc après de la fonctionnalité que vous lui faites faire. Hop. Voilà, donc là ça devrait être fini logiquement. Installation du paquet.
Bon, il nous télécharge quand même des petits trucs, mais à mon avis, c'est des mises à jour de paquets déjà. Enfin, de ce qu'on a choisi d'installer. Ça doit être ça. Alors, si il y a le cas, il est possible d'installer le programme Grub, l'exécutable de massage du premier disque dur. Donc, en gros, le programme Grub, ça sert à. Si vous installez plusieurs systèmes d'exploitation sur votre PC, le programme Grub vous permet de choisir quel système d'exploitation lancer au démarrage. Enfin, vous aurez un genre de panel et il y aura tous les systèmes d'exploitation installés et vous pourrez choisir quel lancer quoi. Bon là moi personnellement j'en ai qu'un et je pense qu'il n'y en aura qu'un. Ouais je vais pas l'installer. Je vais l'installer parce que j'ai pas envie de me casser les pieds. Voilà. Quand j'ai vu le bordel, je l'ai fait une fois, c'est trop casse-couille, j'avais carrément zappé. Donc installez le programme Grub, même si vous avez un seul système d'exploitation. Je veux dire, c'est pas grave, hein, je veux dire, il détectera automatiquement, il se lancera automatiquement tout seul. Hein, vous avez limite rien à toucher, il se lancera tout seul. Il n'y aura pas de sushis. De toute façon, vous allez le voir, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est le programme Grub. Alors, installation terminée, continuons. Le PC va redémarrer, logiquement. Logiquement, s'il n'y a pas de sushi. Voilà, il redémarre tout gentiment. Ça, on s'en bat les steaks. Donc là, ici, moi j'ai mon serveur PXE en route. Enfin, j'en ai un déjà qui est en route. Voilà, c'est ça le problème Grub. En gros, ici, il détectera tous vos systèmes d'exploitation installés. Mais si, logiquement, vous ne touchez à rien, il devrait se lancer automatiquement. Si. Au pire, vous avez pu se rentrer, mais la limite, c'est juste une modification à faire. Hein. J'avais déjà réussi à le faire. J'expliquais quoi déjà ouais, j'ai déjà un serveur Grub qui est en route. Donc, je vais. Pas serveur Grub, un serveur Fog qui est en route. Qui tourne, mais malheureusement, j'ai fait beaucoup de modifications avec. Avec des serveurs que j'ai installés par-dessus. Donc je pense que cette installation là va me servir forcément à l'utiliser en tant que nouveau serveur. Il est beaucoup plus puissant. Donc ici on va se loguer sur Ubuntu. Donc vous utilisez votre login mot de passe que vous avez choisi au début. Donc c'était FogFog. Par contre ici, quand j'écris quelque chose ça ne marque pas. Non pas parce que ça ne marche pas. C'est juste en question de sécurité. Votre mot de passe s'écrit derrière. Et mais il ne l'affiche pas, donc c'est juste une guise de sécurité. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez rien d'écrit. C'est normal, c'est pas moi qui l'a caché, hein. C'est vraiment c'est vraiment Ubuntu qui a cette fonctionnalité là de cacher les mots de passe. Donc ici on peut voir qu'il y a des mises à jour, donc 162 paquets qui doivent être mis à jour et 93 paquets de sécurité qui doivent être mis à jour, pardon. Mais auparavant on va aller modifier comme j'ai dit tout à l'heure, l'adresse DHCP donnée par ma box sur le serveur en adresse IP statique qui plus est a plus de sécurité pour moi, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc pour cela, on va se connecter en tant que superuser, donc sudo qui permet de lancer des commandes admin tout simplement, et SU pour superuser, S pour super, U pour user, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Ici vous mettez votre mot de passe Ubuntu, pareil. Il ne s'affiche pas parce que guise de sécurité comme d'habitude. On va lancer Nano. Nano qui permet de. Enfin, c'est un éditeur de texte hein, tout simplement. Il y a Nano qui existe, donc ça c'est l'éditeur de texte de base de Ubuntu. Il y a Vi, mais il faut l'installer. Mais pourquoi se faire chier d'en installer un autre alors qu'il y en a déjà un d'installer et qui est super bien compréhensible, vous allez voir rapidement. Donc, nous ce qu'on veut changer c'est. Comment ça s'appelle ? Les paramètres de la carte réseau. Donc ici on va aller dans les configurations, donc CETC, à savoir aussi chose qui peut, enfin qui sert hein, on va dire, pour aller plus vite, mais qu'on peut facilement s'en passer, c'est qu'on peut marquer le début d'un mot, donc enfin forcément il faut connaître la commande, et vous appuyez sur tab. Hop, ça marque la fin du mot. Ça détecte en fait tous les mots commençant par net, parce que j'ai marqué net. En appuyant deux fois sur tab, on peut voir tous les mots qui ont le même nom, mais qui finissent pas forcément par la même chose. Donc lui, il va s'arrêter sur les lettres identiques, et en appuyant deux fois sur tab, vous pouvez voir tous les mots qui commencent
à l'identique et qui forcément ne finit pas tous à l'identique parce qu'on peut pas avoir des doublons au niveau des dossiers. Donc en appuyant deux fois sur table, vous voyez ce qu'il y a comme autre dossier qui porte presque le même nom. Donc nous c'est bien le network qui nous intéresse, pas le networks, hop, voilà, et là on va aller dans les interfaces. Donc là, interface, c'est tout ce qui est des interfaces Ethernet, Wi-Fi et tout ça. Donc moi j'ai qu'une interface Ethernet, voilà. Donc ici, tout ce qui est loopback, vous ne touchez jamais, jamais vous ne toucherez à ça parce que ça c'est limite le nutriment jack pour faire tourner votre carte réseau. Et nous ce qui nous intéresse c'est ici là, IFAS, IMA, INET, DHCP. Donc là DHCP, on va dire bye bye. Hop, et nous on va mettre statique. Donc là comme j'ai dit tout à l'heure, tout est en anglais. Donc hop, en premier lieu on va choisir l'adresse. Adresse, donc moi c'est une classe C, donc 192.168.1.254. A savoir aussi qu'il peut avoir quelques problèmes avec le VRNUM, le verrouillage numérique. Si ça ne marche pas, éteignez-le, rallumez-le. Ou utilisez les 1, 2, 3, 4, 5, 6 au-dessus de AZERTY, hein, ça marche. Mais il peut avoir quelques soucis au niveau de du VRNUM. Mais logiquement, il n'y a pas de soucis. Donc ici, on choisit l'adresse IP 192.168.1.254. Donc c'est l'adresse IP IPv4 de votre carte réseau de votre serveur. Donc c'est l'adresse IP qu'il faudra utiliser pour se connecter au serveur. Ensuite on va utiliser Netmask pour le masque de sous-réseau, donc d'une classe C 255.255.255.0. Ensuite on va utiliser la passerelle, la passerelle qui nous sert essentiellement à sortir sur internet. Et la seule chose qui nous permet de sortir sur internet, c'est quoi? C'est la box. Donc on va mettre l'adresse IP de la box. Hop. Donc c'est 168.1.1. Voilà. Et on va rajouter dernier le DNS Name Server qui permet à la box. Enfin, c'est la box en gros qui gère ça, hein, le système DNS. De traduire une adresse IP d'un site en un domaine.fr.com, hein, genre google.fr, il y a telle adresse IP. Je vous montrerai tout à l'heure en faisant un ping. Donc qui permet de traduire une adresse IP en un domaine, un nom de domaine, et d'un nom de domaine en adresse IP. En gros, quand vous marquez dans votre navigateur google.fr, Vabox va se charger de contacter l'adresse IP en fait, de contacter google.fr, lui il va détecter l'adresse IP qui se cache derrière. En gros c'est une traduction de lettres en chiffres, hein. Je sais plus trop comment ça marche, mais c'est un truc dans ce style là. Donc lui Vabox va se charger donc de modifier le nom de domaine en adresse IP, parce qu'il y a toujours une adresse IP qui se cache derrière un nom de domaine. Donc il va se charger de modifier ça et de vous emmener donc sur le site que vous voulez. Donc là ici c'est un DNS Name Server, serveur 192.168. Donc là c'est pareil, c'est la box, hein, vu que le serveur DNS c'est dans la box. On utilise la box. Et il me semble que c'est tout, il n'y a pas d'autre chose à utiliser. Non, il ne me semble pas. Donc ici on va enregistrer. Donc là moi j'ai fait quitter, il demande toujours d'enregistrer, donc je fais quitter puis oui, hein, pour enregistrer, voilà. Hop, donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va redémarrer l'interface réseau, enfin l'interface de la carte réseau pour qu'il prenne en compte notre configuration. Vous pouvez autant redémarrer l'interface, autant redémarrer directement Ubuntu, hein, qui de toute façon dans les deux cas ça marche. Mais on va dire que c'est plus rapide à redémarrer une interface. Et moins long quoi. Après tout dépend pareil votre PC que vous avez, hein, mais bon. Pour faire redémarrer l'interface, ça va beaucoup plus vite. Donc pour redémarrer une interface, il faut déjà l'éteindre, donc if down, down pour éteindre. Hein. Alors, le nom de l'interface, donc généralement c'est ETH0, bon moi je sais pas pourquoi il m'a marqué un EM1, mais généralement c'est ETH0 les interfaces, donc là vous marquez en fonction de votre... Ah ouais, on voit pas ma souris, c'est vrai. Donc là vous voyez en haut là que j'ai marqué mon adresse IP et tout, adresse 192.168.1.254, juste au-dessus c'est marqué IFAS EM1 INET STATIC. Donc là, j'ai généralement dans moi ça doit marquer... IFAS ETH0. Bon, moi je sais pas pourquoi il m'a marqué EMA, j'ai jamais vu ça, mais bon, ça c'est le nom de votre interface EMA ou ETH0 ou ce que vous voulez, donc juste après IFAS. Et donc vous voulez redémarrer cette interface là. Donc en bas, on fait un if down pour l'éteindre EMA. Hop, logiquement là ça l'éteint, il doit pas de soucis. Et il faut la rallumer maintenant. Enfin, if up et pareil EMA. Voilà, hop, ça l'a redémarré.
À ne pas confondre avec un ETC init.d networking restart là, en fait, qui redémarre complètement comment tout, en fait tous les services réseau de Ubuntu, ce qui est pas notre cas. Nous on veut juste redémarrer l'interface en elle-même. Enfin en gros, si vous préférez, c'est comme si on débranchait la carte réseau qu'on la rebranchait. Voilà, c'est vraiment ça l'idée du truc. Donc c'est pas forcément redémarrer les services, mais on va dire que c'est plutôt pas physiquement, mais presque ça, éteindre physiquement et rallumer physiquement la carte réseau. Voilà. Donc autre chose à vérifier quand même au cas où, mais généralement quand on est, si le DHCP vous a donné une adresse IP de base au début comme moi, il devrait pas avoir de soucis, mais il faut quand même aller vérifier si dans le resolve.conf il y a bien le DNS également, le DNS name servers demi. Mais logiquement, comme je vous ai dit, s'il y a le DHCP qui a été pré-mis dessus, il ne devrait pas avoir de soucis. On va dire, il s'est enregistré automatiquement le DNS de la box. Donc, on va quand même aller vérifier. Hop, resolve.conf. Donc, n'hésitez pas à utiliser tab, hein, ça aide beaucoup. Donc là, on voit bien que le name server sur 1.1 était déjà enregistré. Donc ça, c'est grâce au DHCP. Si vous n'avez pas de DHCP de base ou pas de DHCP sur votre réseau, vous devrez le mettre manuellement. Donc name server et l'adresse IP de votre box. Voilà. Donc là, ici, on va tester de faire un petit ping google.fr. Donc là, je marque bien en fait le nom de domaine de google.fr et vous allez voir que lui, je suis en train de défoncer mon micro à chaque fois. Il va aller chercher et récupérer l'adresse IP. Donc là, l'adresse IP que vous voyez, 173.192.45.79, c'est l'adresse IP de google.fr. Enfin, l'une des adresses IP de google.fr, parce que vu que c'est un assez. Enfin, par lui-même, c'est un petit site, hein, je veux dire, il y a une image, un lien de recherche et tout ça. Mais derrière, il y a pas mal de requêtes et tout ça. Donc pour eux, il vaut mieux avoir plusieurs serveurs. Donc forcément, vous ne pourrez pas forcément tomber sur le même serveur si vous faites un ping 208 à ping google.fr, puisqu'ils ont plusieurs serveurs DNS, plusieurs serveurs, donc forcément vous pouvez pas peut-être pas tomber sur le même serveur que moi. Donc ici on voit bien que enfin je peux même pinguer ma box. Hop, on voit bien, on va vite voir, voilà, il y a bien à communiquer avec ma box, c'est nickel. Donc là un petit contrôle C pour annuler le ping. Là c'est pas comme les pings de Windows, là le ping est illimité, hein. Vous laissez tourner, il va tout le temps tourner. Donc pour l'arrêter, c'est CTRL C, comme copier sur Windows, mais là c'est pour arrêter les commandes. Voilà, donc là en dernier recours, je vais vous montrer comment mettre à jour Ubuntu, vu que maintenant on a Internet avec une adresse IP fixe. Mettre à jour Ubuntu facilement avec les lignes de commande. Vous pouvez, on va dire pour les plus experts, mettre les deux commandes l'un derrière l'autre. Mais ici, je vais les faire séparément. Donc, pour rechercher, enfin, on a vu qu'il y avait pas mal de mises à jour, on avait à peu près 200 et quelques. On va mettre à jour notre liste de mises à jour. Donc, pour ça, apt-get-date. Donc, là, en gros, ça va mettre à jour. En fait, à l'intérieur d'Ubuntu, il y a une liste de tous les. Je sais plus comment ils appellent ça, pas les modules, mais de tout ce qu'on a installé en fait dans notre serveur, et en gros avec les liens là, ça va rechercher toutes les mises à jour qu'il y a. Donc tu vois, pour ça un petit apt-get-update, hop. Et je fais de la merde. Ouais, j'ai mis un apy, putain. C'est apt-get-date, voilà. Donc là, ça va mettre à jour toutes nos listes. Donc on voit bien qu'il y en a pas mal. Pas le moins, ça doit être bon. Voilà. Donc voilà, là il récupère toutes les listes. Ici, on va aller télécharger toutes les mises à jour. Donc c'est un apt-get. Apt-get, généralement, c'est pour aller chercher une installation de logiciel. Bon, je prends un exemple, Apache ou quoi. Vous aurez toujours un apt-get. Quand vous voulez télécharger quelque chose, c'est wget. C'est autre chose. Mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Donc apt-get, là, on va installer les mises à jour. Donc on fait un petit upgrade. Pour mettre à jour, voilà. Donc là, ici, il nous dit tout ce qu'on doit mettre à jour, beaucoup de paquets quand même, et la taille que ça prendra. Donc, on fait un petit oui, on installe tout, et on attend que tout se finisse de se mettre à jour. Sachant que moi, comme j'ai dit, j'ai une petite connexion, pas forcément très très poussée, hein. Je suis en 3 mégas, donc ça risque d'être assez long. Là, on voit à 6 minutes, mais je sais même pas s'il prend toutes les mises à jour en compte. Et du coup, moi je vais vous quitter ici le temps que ça fait les mises à jour. Je pense que j'ai montré toutes les bases pour après installer proprement Fog sur votre serveur.
Au moins, on aura un serveur propre et mis à jour. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, des problèmes et tout ça au niveau de l'installation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur le forum, sur le topic que je vais créer, où je vais peut-être créer un support, je sais pas, un support technique, j'en sais rien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, soit sous la vidéo, soit sur mon forum. Il est ouvert pour ça, pour vous aider aussi, pas que pour regrouper la communauté. Si vous avez si vous avez un problème ou quoi au sujet de mes vidéos, n'hésitez pas à venir me poser les questions, même sur Twitter, Facebook, là, je suis ouvert partout. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce tuto qui risque d'être assez long, donc je pense en 3 vidéos, hein, minimum. Même maximum, hein, je pense que je vais essayer de claquer ça en 3 vidéos. Donc n'hésitez pas donc à donner vos commentaires, aimer, partager, rejoindre le forum si vous avez des questions, même si vous n'avez pas de questions, vous pouvez rejoindre toute la communauté sur le forum mrontv.fr/forum ou forum.mrontv.fr. De la partager, me rejoindre sur Facebook, Twitter, mon blog et tout ça. Je suis ouvert à toute proposition, enfin, entre guillemets, hein, je vous vois arriver, petit coquin. Toute proposition d'aide, de coop, de vidéo et tout ça, n'hésitez pas à me le demander. Hein, je mords pas, je mange pas encore les gens. Pas encore, j'ai dit. Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette première vidéo vous aura aidé. Vous aura permis au moins de faire des premiers pas sur Ubuntu. Bon, je vous retrouve très bientôt pour la seconde vidéo qui est l'installation de Fog. Portez-vous bien et à tout de suite. Shut up, 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 shut up